Sur eBay, donc j'ai acheté des vêtements et des bijoux. Alors sur chez le vendeur Future Star 99, donc c'est un vendeur qui vient de Chine. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce vendeur? Donc je le recommande sans problème. J'ai reçu vraiment la totalité de ma commande au bout de 3 semaines, donc ça c'est vraiment top, étant donné que quand on commande en Chine, en général ça prend du temps pour arriver, et là j'ai tout reçu au bout de 3 semaines. J'ai reçu même certains articles au bout de 2 semaines, donc je suis vraiment contente. Il avait tout bien emballé dans des enveloppes bulles, donc ça, il n'y a pas de problème, c'était vraiment très très bien protégé. Concernant le paiement, j'ai payé via PayPal, donc c'est un paiement sécurisé. Vous pouvez commander vraiment tranquillement, et en même temps, si jamais vous ne recevez pas votre commande, en fait, ce qui est super, c'est que vous êtes remboursé assez rapidement, donc ça aussi, c'est vraiment pas mal. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est j'ai vraiment eu aucun problème. Je suis vraiment très très satisfaite dans l'ensemble. Je vais vous présenter tout de suite les articles que j'ai commandés. Par contre, ce que je pourrais pas, je suis vraiment désolée, je pourrais pas du tout vous donner les liens directs, parce que j'ai vu le vendeur, il vend plus du tout beaucoup de produits, beaucoup d'articles en fait. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment un bon plan au niveau des prix. La qualité, elle est quand même là, mais rien ne vous empêchera d'aller jeter un petit coup d'œil dans sa boutique de temps en temps pour voir ce qu'il vend. C'est toujours intéressant, donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer aussi donc les articles, et en même temps je vous dirai les prix auxquels les prix que j'ai payés, comme ça vous pourrez voir que c'est vraiment avantageux. Donc tout d'abord, j'ai commandé une chemise, donc rouge en fait. Je sais pas si vous allez la voir rouge à la caméra, parce que je sais pas si au niveau de la luminosité c'est bien, mais bon, elle est rouge, hein. Donc de côté vous avez ces petits détails avec des petites boucles dorées. Et vous avez la même chose devant en fait, les petites boucles dorées, donc voilà, elles se présentent comme ça. Ensuite, comme petit détail encore que j'aime beaucoup en fait, c'est les dentelles, la dentelle en fait sur les manches et la dentelle derrière. Donc vraiment un très très gros coup de cœur pour cette chemise en fait, vraiment, elle est transparente aussi, hein, j'ai oublié de le préciser, donc vous devez mettre un petit top en dessous. Vraiment, je suis vraiment trop trop contente d'avoir acheté cette chemise, parce que vraiment elle est classe. Vous voyez, elle est vraiment, quand même, c'est bien fait en fait. La finition, les finitions, elles sont vraiment très jolies. Et elle est vraiment classe, enfin, elle va faire classe et bien habillée avec un petit pantalon noir, des petits escarpins. Enfin, je veux dire, on peut mariner cette chemise avec beaucoup de tenues. Et ce qui est bien, c'est que même la chemise, elle fait tout de suite classe sur une tenue, même simple. Donc voilà, je suis vraiment très très contente et très satisfaite de mon achat. Et du coup, j'ai commandé la même en bleu. En bleu nuit en fait, là c'est pareil, je sais pas si vous pourrez bien voir la couleur, mais c'est un bleu nuit en fait, donc toujours pareil avec les petits détails sur les côtés, toujours pareil devant, le petit détail des dentelles derrière et sur les manches, et toujours pareil transparente. Donc là c'est pareil, hein, j'ai voulu prendre les deux couleurs là parce que je me suis dit c'est des couleurs que j'aime porter. Et ça fera tout de suite classe. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi vous trouvez ce genre de chemise, ça fait tout de suite classe avec les petits détails de dentelle, les petits boutons. Ça fait tout de suite bien, je trouve. Donc voilà. Ensuite, pour continuer, j'ai pris une robe tunique. Donc bimatière, en fait, en simili-cuir et en coton. Donc là, je suis désolée, elle est un peu froissée. Mais elle est vraiment très jolie. Donc vous pouvez voir qu'il y a du simili-cuir noir de côté et aussi sur les manches. Donc voilà, elle est comme ça. Et elle est assez longue. Là, c'est pareil au niveau de... Au niveau de la qualité, elle est vraiment là, je trouve. C'est vraiment bien fait. Elle est vraiment très jolie. Et cette chemise-là, cette tunique-là, par contre, je l'ai payée... Donc je vais vous dire ça tout de suite. Je l'ai payée 7,89€. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la livraison était gratuite pour tous les articles que j'ai commandés. Donc ça aussi, c'est top. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien le style. Enfin, c'est vraiment un style à part, on va dire, mais ça change un petit peu, je trouve, avec une petite ceinture et un petit legging ou un petit pantalon fin, ça risque de faire vraiment très beau. Donc voilà. Par contre, je ne vous avais pas dit, je crois, le prix
des chemises là. Celles-là, elles m'ont coûté 6,59€. Donc franchement, le prix vraiment tip top. Ça vaut vraiment le coup, donc voilà. Et pour le dernier article vêtement, en fait, donc c'est cette petite veste boléro que j'ai achetée. Donc c'est avec des petits, toujours les petits boutons comme ça, dorés en fait. Donc voilà, c'est des manches 3/4. Et derrière, vous avez un petit nœud aussi. Donc voilà, ce que je peux en dire sur cette veste, par contre, c'est qu'elle taille vraiment très petite. En fait, celle-là, elle me va, mais j'arrive pas à la fermer en fait. Et le bouton pour l'espèce de fermoir pour le fermer, en fait, il s'est cassé. Mais bon, ça, vous pouvez recoudre et remettre, ça, c'est pas vraiment un problème. 7,89€. Donc, je la trouve vraiment très jolie, en fait. Franchement, elle est quand même magnifique. Là, vous avez des franges tout le long, en fait, du col. Donc, voilà. Tout le long du col, vous avez des franges. Et j'aime beaucoup aussi... ça fait tout de suite bien aussi avec un petit top noir en dessous. Je trouve que ça fait tout de suite son effet. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Donc ensuite, ce que j'avais pris, donc c'est des bijoux. Donc pour les bijoux, en fait, j'ai pris un collier comme ça qui fait un peu rock. Il est vraiment, je trouve, très joli aussi. Donc voilà, qui se présente comme ça. Je vais essayer de bien vous montrer. Donc voilà, il est comme ça, le petit collier, ça fait un petit peu rock. Et là, c'est pareil, ça va tout de suite vous habiller une tenue simple, je trouve. Donc vraiment très joli, vous pouvez voir que c'est quand même... Il a une belle couleur, un peu de or foncé comme ça. Donc voilà, pour le collier. Très joli aussi, pareil. Et là, pour le prix, il m'a coûté 2,66€, donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai pris des petites boucles d'oreilles, donc à 1€. Vraiment, là c'est pareil, je suis vraiment très contente. Et pour 1€, faut pas s'en priver. Hein. Donc, ils se présentent comme ça. Vous voyez, elles sont très jolies aussi, ça fait un peu rock. Et portée, je vais vous en mettre une pour vous montrer ce que ça donne. Donc, portée, ça me donne. Voilà, ça me donne ça portée. Je trouve que ça fait vraiment très joli portée en fait. Ça fait un petit effet. Ça habille tout de suite une tenue aussi simple, là c'est pareil. Ces genres de bijoux, ça habille tout de suite une tenue, je trouve. Donc voilà. Et pour le dernier, donc le dernier bijou, c'est un trop beau collier. J'ai beaucoup aimé. Donc il est vraiment magnifique. Franchement, celui-là, c'est un réel coup de cœur. Donc voilà, il est comme ça. Pour bien vous le montrer, donc voilà. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il a des petits strass blancs et il est noir et blanc. Il est vraiment magnifique, franchement j'adore, ça c'est un vrai coup de cœur. Et donc celui-là, je l'ai payé 2,15€. Donc honnêtement, magnifique. Il est quand même bien fait, je trouve. Après, si jamais vous voyez qu'au niveau de là, parce que souvent, souvent la qualité de Chine, c'est ça, vous avez les petits maillons qui peuvent se casser, là, les petits maillons pour attacher. Ça, c'est pas un problème, vous pouvez les remettre sans problème, donc c'est ça qui est top aussi. Donc voilà. Et le dernier accessoire que j'ai pris, c'est un accessoire cheveux, donc un headband, donc qui se présente comme ça, avec des genres de petites fleurs dorées. Vraiment magnifique et je suis vraiment très très satisfaite. Il est vraiment très joli, je vous remontre de plus près. Donc voilà, et celui-là, je l'ai payé 2,16€. Donc là, c'est pareil, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour mes petits achats sur eBay. N'hésitez surtout pas à aller voir sur sa boutique parce que c'est vraiment un bon plan, je trouve. Pour les prix, ça vaut vraiment le coup. Et ne vous inquiétez pas, si vous commandez chez le vendeur, vous aurez, je pense... la commande sans problème. C'est pour ça que j'ai tenu à vous faire une petite vidéo parce que je trouve que c'est vachement important de commander et d'avoir des avis positifs sur les boutiques venant de Chine. Donc voilà, donc j'attends vos petits commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.